Chez les Berbères du Moyen Atlas, dans la région de Khénifra, les rapports intimes avec la nature survivent dans le rituel du mariage. C'est le moment où tous les hommes de la tribu se retrouvent dans un élan solidaire pour dresser la grande tente en poil de chèvre. Asli, le fiancé, et Taslit, la fiancée, incarnent symboliquement les forces viriles et féminines du ciel et de la terre qui, en s'unissant, produisent les récoltes abondantes. C'est sur eux que repose l'espérance de toute la communauté. La ronde du Moyen Atlas est conduite par le célèbre Hadj Moha Houssin. Elle rassemble les hommes et les femmes de la tribu qui se rendent en procession munis de leurs offrandes auprès de la mère de la future épouse pour la demande en mariage. La chorégraphie des mains exorcise dans un combat symbolique les luttes éventuelles du futur couple. Tasli, la fiancée, et Asli, le fiancé, sont enlevés à leurs familles respectives par des membres de la communauté
alors que la fête se poursuit tard dans la nuit pour célébrer leur union.